Peut-être un résumé de ce que je sais. Oui, mais là je comprends. Hein. J'explique ça aux deux et tout. Ouais, pourquoi elles ont pas gardé le pistolet grappin? On dirait que c'est à moi. Oh, c'est un bon chien. Oh oui, c'est un bon chien. Pas sûr que ça soit une bonne idée quand même. Laboratoire numéro 4, laboratoire numéro 4. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Ça va aller. Pas vrai? Oui. Appelons Cloud pour le prévenir. Tourne à la porte du labo. Continuons comme ça. Je sais pas si bien ça s'applique dans le genre de cas.
je dois commencer à se demander ce qu'on fabrique. Ouais. Tu sais, il t'admire beaucoup. C'est possible. Wedge, c'est un mec timide, en fait. Oui, on en sent. Et quand on a des emmerdes, on peut compter sur lui. Ça aussi, vous l'avez en commun. Ça ressemble tellement moins à un laboratoire qu'à une arène de combat géante, quoi. Tout est organisé pour être une arène de combat, en fait. En changeant une association, je pense que je vais esquiver 60% de ses attaques. Ah regarde, c'est tout électrique.
On n'aura pas le temps de la sortir, si. Moi où Tigrou est monté dessus là. Bah alors. Bah alors le tigre. Putain, les pigeons dehors, t'as l'impression qu'ils sont de battre. Plus de bruit que claque. Vous ne me décevez pas. Vous m'avez procuré des données utiles. Commençons la prochaine phase de l'expérience maintenant. Sephira. Ouais, l'ascenseur remarche. C'est peut-être un piège. Non, ici les ascenseurs sont normaux. Ouais, s'il était où l'ascenseur pas normal? J'ai loupé un monstre? On est arrivé? J'en ai pas vraiment l'impression. Drôle de bruit. Non, non, c'est Barrette. La porte est verrouillée de ce côté-ci, on dirait. Alors, on leur ouvre. Attends. Ça fait longtemps. Ouais. Nous voilà enfin réunis. Avec toutes ces conneries, on n'est pas en avance. Par ici, il y a un ascenseur. Hein ? Enfin, encore faut-il que Ojo nous laisse l'utiliser. C'est vrai que j'ai récupéré tout le monde, donc si je peux modifier le groupe, c'est maintenant. Équipe, c'est statue en fait. Super. L'ascenseur fonctionne, on dirait. Ojo s'est suffisamment amusé avec nous. Il faut dire qu'on a bien travaillé.
ça pour revenir ici. Ouais. Oh! C'est quoi ce bordel? Qui a pu? On risque de la croiser là-haut. On bouge. Qu'est-ce qui nous attend? Le bureau du président, et au-delà, le toit. Attendez! Une fois monté, je pense qu'on ne pourra plus revenir par ici. On est prêt. Pas vrai? On peut encore retourner au terminal central avec l'autre ascenseur. Si vous avez quelque chose à finir, c'est maintenant. Petite sauvegarde. Je suis prêt. C'est parti. Ah, de l'herbe verte! Ah non, c'est pas le même jeu. Pas si j'appellerais ça du sang pour le coup. C'est beaucoup plus rouge à l'époque. J'ai aussi plein de coups de griffe sur les murs. C'est très emblématique. Hey, salut Capo. J'arrive, je vais te sauver, t'inquiète pas. Reste zen. Venez m'aider!
Aidez-moi! Le tir, Barrett. J'ai toujours rêvé de t'entendre dire ça. Pitié! Je vais lâcher! Ah, je vous donnerai n'importe quoi! C'est vraiment pas une question de fric, tout ça. Sauvez-moi. Pas pitié. Je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, moi je veux pas grand-chose, en réalité. Si tu pouvais crever, la quasi-totalité de mes souhaits serait exaucée. Mais je suis sûr qu'il y a autre chose que vous voulez. Mais pour qui tu te prends? Le mec qui veut négocier les pieds dans le vide. Barrett! Arrête! Dans tout Midgar. D'abord, tu vas parler du secteur 7, dire toute la vérité sur ce qui s'y est passé. Ensuite, tu vas laver la réputation d'Avalanche. Avalanche n'est à la solde de personne. Jour après jour, notre groupe se bat pour sauver le peuple et la planète de la Shinra. Tout ça au péril de nos vies. Tu vas leur déclarer, la Shinra se soumet à Avalanche. Tu vas le jurer. Lavez votre honneur. C'est donc cela que vous voulez. Je vois que c'est important. Que cela compte plus à vos yeux que l'arrêt des réacteurs Mako ou l'avenir de la planète. Hein? Putain! Vous êtes vraiment trop naïf. Bah, les négociations, c'est pas son truc, hein. Sans énergie, Mako, tout serait vide et mort. Croyez-vous vraiment que le peuple serait prêt à endurer une vie de misère pour échapper à la menace abstraite d'une catastrophe potentielle? Ça a dû vous plaire de jouer les justiciers de la planète. Mais le rêve est fini. Oh, pour l'heure, demandez-vous si votre vision de la justice est vraiment légitime. Réfléchissez bien, car votre temps est compté. Mais toi, Président Shinra, c'est quoi la justice pour toi? Imbécile, tu n'as rien compris à ce que je viens de te raconter, c'est ça? Je ferai tout ce qu'il faut pour arriver à mes fins. Saisir toutes les opportunités. Éliminer les gêneurs et les gens inutiles. Oh, on va le tuer, comme ça Sephiroth n'aura pas besoin de le faire. Culpabilité. Shinra, putain. Ah bah c'est bon, Sephiroth a décidé de le faire. Genova. Enfoiré. Barrett, non. Original. Oh,
Ce truc, c'est... C'est ça. La source de tout. Zéphyrof après. Putain, mais j'ai tellement envie de t'assommer quand tu me dis des trucs comme ça. Quoi.
Bon, ok Google, ouais voilà, ça va être la faute de ton téléphone. Ça fait froid. Non, là où je t'en veux en fait, c'est que... on peut ne pas connaître tout d'un jeu, mais putain, c'est Firode quoi. Pourquoi on est passé sur du hentai japonais là? Bref, tu le tues quand? Bah je sais pas. Mais bon, si t'attends à ce qu'on tue Sephiroth dans le jeu... Déjà ok, tu connais pas vraiment pas le jeu, mais... Alors comment je vais finir le boss? J'en ai aucune idée. Le cycle a l'air de vouloir se recommencer à l'infini là. Et là, le miroir.
Et là, elle a immunité. Oh putain. Fais un mot à ton chef, tu vas pas bosser. Ça marche pas comme ça la vie en fait. Tu peux faire tous les mots que tu veux à mon chef.
Merci pour le café. Même si je t'ai fait un câlin vers ce moment. Ah, j'aimerais. Voilà. T'as pas compris, il y en a 49. Arrête, il y en a 49 autres qui arrivent. Je streamerai le soir, t'inquiète pas. Si tu veux préparer un truc ensemble. Barrett, tu vas bien? Puis c'est jeudi, hein, il reste encore tout demain. Hein. Le combat était intéressant. Ça fait très combat de MMO, mais. Genre, gérer les tentacles pendant que d'autres gèrent le boss, tout comme ça. C'est très combat de MMO. On va juste regarder s'il n'y a pas des trucs précieux. Il était pas si dur. Non, le combat était pas si dur en soi, mais il était intéressant.